contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous donne mon avis sur un produit Yves Rocher. Oui, c'est de l'eau micellaire. Voilà. Ce produit coûte 9,90€. Vous avez, il est en 200 ml, mais vous pouvez le retrouver en plus grosse bouteille, mais plus cher. Elle est à 14,90€, si je ne me trompe pas dans les prix. Mais moi, j'ai pris la petite bouteille pour tester. J'ai testé ce produit à partir de mars jusqu'à aujourd'hui. On est fin août et je suis très contente de ce produit. Ce produit sert pour nettoyer la peau, pour démaquiller. La camomille que vous retrouvez dedans est bio. Vous savez que les produits Yves Rocher sont fabriqués en France, en Bretagne. Et ben, moi, ça ne me déplaît pas trop de prendre des produits français, tout ça. La bouteille est recyclable, comme ils disent sur leur site et sur la bouteille. Toute information pour comment faire est sur leur site, les composants, tout ça. Je n'ai pas là pour dire tout ça. Et aussi sur la bouteille. Moi, je donne comme mon avis sur ce produit. Pour nettoyer la peau, honnêtement, j'utilise un coton matin et soir. Le soir quand je me maquille. Si je ne me maquille pas, je nettoie pas la peau. Comme je donne mon avis personnel, j'ai une peau très sèche. Si je la nettoie trop, j'ai plein de boutons et j'ai des petits points de rougeur. Et la peau, bah, honnêtement, ça se lave pas tous les jours. Je suis aide-soignante. Et astiquer la peau, c'est pas très bon parce que vous avez des petites pellicules qui protègent et ça s'enlève et la peau m'avait encore plus fragile. J'ai une peau très sec et je tous les matins je prends du coton, je nettoie le visage. Honnêtement, après il faut mettre tout de suite une crème hydratante, sinon la peau est sèche. Et même sur la bouteille et sur leur site, ils disent bien mettre leur crème le jour après. Pour se démaquiller, honnêtement, pareil, je prends du coton, mais il faut bien passer plusieurs fois, une fois ou deux, pour bien que le maquillage soit enlevé. Pour se nettoyer la peau, je suis d'accord, mais pour se démaquiller, pour enlever le maquillage, franchement, prenez un autre produit que celui-ci. Je crois que ça s'enlève pas à 100% le maquillage. Je me maquille pas beaucoup, je mets que un coup de crayon et une fois dans les nuages du fond de teint, mais c'est très 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 rare. Je prendrai pas ce produit là pour enlever le fond de teint. Je fais toujours des lingettes, tout ça. Bientôt je vais acheter les lingettes démaquillantes pour voir la comparaison. Mais pour vous démaquiller, ne prenez pas celui-là. Pour nettoyer le visage tous les matins, ok, mais pas pour autre chose. Si vous vous en mettez dans les yeux, tout ça, ça ne pique pas et le produit a pas d'odeur, pas de parfum, rien, c'est neutre. Voilà. Si vous êtes une personne qui est allergique à certains parfums, celui-là vous pouvez prendre pour vous nettoyer la peau. Voilà, je vous ai tout dit sur ce petit produit. J'espère que ce genre de vidéo vous a plu. Et si vous voulez que je refasse d'autres vidéos sur des produits comme ça, que je donne mon avis, comment on les utilise, n'hésitez pas. Allez, je vous dis à la prochaine. N'oublie pas de t'abonner et de liker. Allez, bye, bisous, bisous.